73, Fabrice, c'est cacophonie là un petit peu là. Il y a du monde un petit peu. Break. Les bonnes sur 13, c'est côté à vous tous, de la part de Dandy 33. Bon, ben c'est reparti ce soir là pour le QSO national du canal 27, pour le, avec le forum des ondes du routier. Ouais, c'est un petit peu la cacophonie là ce soir. J'ai entendu, il y a une messe là qui est en train de passer là sur pas mal de canaux, là sur le 19, sur le 27. J'ai entendu ça en FM. Si c'est pas général justement, puisque là il y a ça, on dirait une messe là, je sais pas quoi là, c'est un mec qui diffuse un peu partout, ouais. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'on attende un petit peu, qu'on reste un petit peu là en attendant que d'autres stations arrivent, ou alors qu'on bascule directement sur le 200, sur le 285, c'est-à-dire canal 28, oui c'est ça. D'accord, ok. Ben, ça tombe bien. Ouais, il y a Démon du 40 qui est derrière, qui essaie. Il y a. Oh, il y a du monde. Il y a un petit peu de monde sur le forum. Alors, attends. Que je marque. Oui, en USB. Voilà. Il y a Requin qui va essayer, qui a essayé de nous avoir. Bon, je crois que je vais pas trop tarder à passer en USB, j'ai rien. Oui, désolé Requin, t'as rien en USB, mais t'as de la chance. Nous, on a beaucoup de choses en USB. Hachi, trop même. Si on attendait un petit peu pour voir s'il y a Jean-Paul, tout ça, là, qui arrive, bon, pas longtemps, hein, histoire de une ou deux minutes. Vu l'heure qu'il est, il devrait peut-être pas trop tarder, puis je sais pas, c'est... Ouais, on va rester un petit peu là, puis le temps de voir si d'autres OM arrivent. Et oui, t'as raison, on basculera sur le 28, 285. J'ai entendu quelqu'un derrière, alors est-ce que c'est un Français, un étranger? J'en sais de rien. Autrement, comment allez-vous depuis hier soir, là les uns les autres? Retour, ben tiens, chapeau. Je me trouve actuellement sur Castillon, donc forcément, ça va peut-être pas être trop, comment dire, vous n'êtes peut-être pas trop en forme, ok?
c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de QRM à Castillon, faut pas habiter là-bas quand tu disais. Ouais, mais écoute, depuis la fin, j'apporte le chantel, je me suis réveillé avec un mal au crâne, à chier. Allez, de retour à toi. Ouais, ok, ouais, bon, j'espère que ça va passer quand même, ce mal au crâne, parce que ça va pas être terrible, là, là pour nous accompagner, là, dans le QVSO. Ah, ça va, ça fait le mal au crâne, c'est passé, ouais. Ok, retour, Fabrice. Ok, bon, tu vas bien rester quelques minutes avec nous, là, encore, quand même. Ouais, ok, non, mais c'est normal. C'est normal, hein, y a des priorités, hein, y a pas de problème. Fabrice, tu as les 73 de Belphégor. Voilà. Oui, c'est très hard ce soir. Ben oui, il y a Belphégor là qui est derrière, mais là, hélas, avec le boucan qu'il y a là, ça passe pas. Ok, mais Chameau, je vais t'envoyer les bonnes 73 à côté, hein, vu que là, tu es obligé de QRT. Et oui, il y a des priorités, hein, qui passent quand même avant la radio. Demain, je bosse en journée, donc tu risques pas de m'entendre. J'embauche à 6h demain matin. Et il y a des chances que je prenne la moto, là, en plus, hein, vu le temps, ça, là, ça me titille. Ok, Chameau, mais les bonnes 73, trompe-toi pas dans les papiers. Et à la prochaine sur les ondes. Ok. De toute façon, oui, affirmatif. Oh. Ok, ouais, voilà, je viens de reprendre. Donc, Chameau vient de QRT, hein, il a des obligations familiales, enfin privées, personnelles. Donc là, il peut pas rester avec nous. Donc, pour le moment, il reste plus que tous les deux, Fabrice. Je crois que je vais donner on va donner le départ, hein, pour passer sur le canal 28, hein, parce que là c'est short, hein. Ok, ben Belphégor, réception quasi zéro. J'envoie CQ pour voir. Belphégor, si tu m'entends, je vais faire passer un message pour qu'on passe sur le canal 28. Hein. D'accord, Fabrice, on bascule de suite sur le 28. Affirmatif, je t'entends, Belphégor, on passe sur le canal 28. Ok, je vais essayer d'écrire en même temps que je parle. Alors, attends, voilà. On est...
c'est... tu sais pas à quel point c'est hard de parler et d'écrire autre chose en même temps. Retourne le micro, Fabrice, ça me rendra service à Chi. Y a pas de problème, oui, ben c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus calme, donc si ça se trouve, là, il y aura plus de monde, je pense, on aura plus de contacts, et c'est beaucoup plus propre, là, il y a beaucoup, beaucoup moins de QRM, moins de merde, moins d'étrangers, et peut-être que ça devrait le faire. Ok, voilà, donc, oui, ça marche, on est passé sur le canal 28, 27-285. Voilà, je viens d'envoyer ça sur le chat du forum. Je fais passer le message sur le groupe. Alors, attends, c'est où j'ai déjà perdu. Ah, voilà, ok. Voilà, oh, comment j'ai... sur le 27. Oula, comment j'écris moi. Voilà, ok. Voilà, donc c'est bon, tout le monde est averti. Hein. Ok, ok, ben oui, oui, tout à fait. Hein. Ouais, de toute façon, voilà, c'est ce qu'il faut faire, hein, parce que sinon, ça ne s'entendra jamais, là, sinon ça ne passera jamais. Ouais, ouais, bah oui, bah tiens, tu m'étonnes, c'est sûr. Bon, alors, j'ai vu que Belphégor a eu le message, donc Belphégor, en avant, là, normalement, on devrait t'entendre. Déjà, il y a, Chameau qui a dû nous laisser, qui a dû QRT, car bon, il a quelques obligations, des papiers à s'occuper et tout. Bon, ben, il y a des priorités. Hein. La radio, ça passe après, hein, c'est normal. Là, pour le moment, eh ben, il y a toi, Belphégor, il y a Fabrice. Bon, ben, il y a moi, évidemment. Jean-Paul, est-ce que tu es derrière? QSK, QSK, 163 Alpha Romeo, 104 Duquet, standing by. Oui, 73 la station, j'ai rien compris. Oui, j'ai oublié de préciser. Là, cette première demi-heure est filmée. Je voulais pas faire de. J'avais pas envie de faire de vidéo là ce soir, parce que je me suis dit, bon, il y a déjà eu hier soir, les gens ont compris. Puis après, je me suis souvenu de messages que j'ai vus sur internet, plus ce que Jean-Paul m'avait dit une fois. Visiblement, pas mal de monde pense que c'est que le vendredi soir. Alors ok, du coup, je me suis décidé à faire aussi une vidéo ce soir pour juste une demi-heure, hein, c'est tout. Hein. Et là, là, j'ai quoi ? Ben, il me reste plus qu'un quart d'heure de vidéo à faire. Voilà, qui fera aussi une demi-heure. Donc, ben, ils verront que là, on est bien samedi 1er août. Voilà, le QSO a commencé à 21h, enfin autour, aux environs des 21h. Donc, il n'y a pas de problème, hein, c'est bien, vendredi soir, samedi soir. C'est à l'initiative de chacun, c'est pas une personne en particulier qui lance le QSO, c'est vraiment à l'initiative de chacun, c'est la CIBI, c'est la liberté avant tout, hein, de toute façon. Voilà. Oui, j'ai le micro. Alors, j'ai vu sur le groupe Facebook Division 14 ODR un OM, Florian, voilà, qui est sur le département 24. Je sais pas si tu le connais, Fabrice, un OM qui s'appelle Florian.
Alors attends, j'essaie de retrouver les messages. Surtout, je crois que j'ai vu passer son indicatif. Alors lui, il entend absolument personne. Je comprends pas, il entend personne. Alors s'il pouvait rentrer, il est sur le département 24, oui, je l'ai dit. S'il pouvait rentrer, ça serait bien sympa, quoi. Florian, si tu m'entends, ben vas-y en avant, hein, y a pas de problème. Hein. Fégor, retourne le micro, il y a Fabrice qui est passé en directive dans ta direction, est-ce que tu l'entends? Ok, je pense qu'il t'entend. Fabrice, est-ce que tu l'as entendu, hein? Je pensais que tu allais reprendre, Belfegor. Je croyais que tu allais reprendre. Oui, mais il t'entend, il n'y a pas de problème. Donc, là, quand il est sur directive, c'est tout bon pour lui. La semaine prochaine, on est quoi? On est le premier. La semaine prochaine, eh bien, je suis en train de regarder mon planning. Je pourrais faire que vendredi soir, puisque, du coup, pour moi, samedi soir, je serai au pro. Et j'espère qu'il y aura du monde en fréquence. Ok, Belfegor, vas-y. Ok, Marc, les 2313-51 à vous. Bienvenue dans le QSO du Sud-Ouest France. Fabrice ou Belfegor, s'il y en a un des deux qui parle anglais, allez-y, je vous le laisse. Parce que moi, là, j'ai rien compris. Attention, 202 sont
Hotel 6, Whisky Romeo 251, Iris 59, mon ami, beaucoup la station de française, mon ami, est-ce que tu comprends? Oui, affirmatif, les bottes sont 1351 à vous. Vous entendez beaucoup de stations de QTH 14. Pour MyQTH, secteur Saint-Émilion. Voilà, Sud-Ouest France. Sud-Ouest France, je ne sais pas comment on dit en anglais, Sud-Ouest France. Alors là, c'est plus qu'un QSO national, c'est un QSO international, là, pour le coup. Je pensais pas qu'on allait prendre autant d'importance ce soir, chi trois coups. Ouais, retour Fabrice. Ok, ok, il n'y a pas de problème. Oui, j'entends la station là, je me suis remis en normal là, parce que comme la directive est tournée dans l'autre sens. Ouais, j'entends bien la station là, Marie 59 presque là, hein, si c'est en anglais là, là, les 73 de la ville, hein, de la division 14 là, de l'opérateur Fabrice de la Dordogne. Ok, la station là. Ah non, moi je jette personne, hein, au contraire, hein, y a pas de souci. Hein. Là, tant que c'est pas des perturbateurs, ceci, cela, comme il y a 15 jours, je crois, là, ou 3 semaines, je sais plus, la porteuse qu'on avait eue, où là c'était pas très drôle. Enfin bon, au contraire, moi j'ai aucun problème, j'ai pas de problème avec ça, hein, ils sont les bienvenus. Hein. Oui, Belfegor en avant. Retour Fabrice, tu as dit? Retour Fabrice, oui. Ok, je reprends là. Oui, il a dit que c'était super d'avoir du monde un peu étranger là. Hein, ça fait bouger un peu les fréquences. Mais ouais, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Voilà, si on veut faire revenir un peu la fréquence là sur ces bandes-là, il faut attirer du monde. C'est dommage qu'il n'y a pas plus de monde que ça ce soir. J'étais en train d'écrire sur le chat. ok. Tu vois, il y en a qui dit, justement, il y a Thierry qui nous dit qu'il n'y a pas de propague ce soir, qu'elle est encore en vacances. Thierry, si tu nous entends, là, ici, sur le sud-ouest, allume le bouton du poste, tu verras, on entend beaucoup mieux, quoi, derrière. Si, il y a pas mal de bruit, il y a pas mal de propague. Puisque là, pour notre QVC local, c'est un petit peu difficile. Je voudrais relancer un appel du côté de Florian, là, qui est sur le département 24. Là, il nous a mis quelques messages là, sur Facebook, nous disant qu'il est tout seul, qu'il n'entend absolument personne du côté du 33. Pourtant, on est bien là, il n'y a pas de souci, on est bien là. Et d'autant plus que, tiens, petite anecdote, hier soir, alors sur le groupe,
Il y a un OM, son pseudo c'est Nounours Mal Léché. Il nous a entendus dans l'aube. Voilà, pendant une bonne minute, là, il nous a entendus là-bas, là, sur la région, là, sur le département de l'aube. Alors, comme quoi, pourtant, ça passe, hein. Oui, Kim, je vous reprends. Oui, mais oui, comme ça veut, là, de toute façon, voilà, moi, je suis bien normal, il me manque, voilà, et Jean-Marie, là, tout à l'heure, il m'a fait une petite pointe de 2, là, de mon côté, hein. Voilà, une petite pointe de 2, que tout à l'heure, c'était du signal négatif et une bonne radio de 2, et là, il m'a fait du signal de 2 et radio de 3 à 4, voilà, la propagne, du moins, il y en a un petit peu, mais ça varie, quoi, et ça bouge, ça fait bouger un peu, là. La modulation au niveau propagation là de mon côté là. Donc c'est bien que tout le monde nous entend même dans les autres régions. Par contre je suis de Dordogne là, faudrait qu'il me dise où il se trouve actuellement, là, dans quel département, bon, il sait du 24, mais dans quelle région en Dordogne, et peut-être que moi de mon côté, je pourrais peut-être le sortir. Mais s'il ne nous dit pas où c'est qu'il est, moi je peux pas savoir. Voilà, ok, retour d'Andy. Ok, alors attends, parce que là je saute du forum les ondes de routier au groupe division 14 ODR. Alors que je le retrouve. C'est sur télémessage, ça va tellement vite là-dessus. Donc le QSO d'hier soir, le A. Voilà, non, ça c'est la vidéo. Je suis peut-être allé trop loin. Florian, comment. Ah bah tiens, voilà, le voilà. Alors, je vais me cliquer sur son truc. J'ai l'ordinateur qui pédale un petit peu la chevroute. Ah ben voilà, je vais. Qu'est-ce qu'il nous dit? Marmande, à 80 km, et vu que tu es déjà à plus de 50 km de Bordeaux, alors fais le calcul, et là, je ne vous entends même pas. Bon, ben, voilà. Donc, je suis... Après, ça dépend. Moi, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que du côté 24... Attends, je suis en train de surveiller la vidéo. Ouais, il me reste plus qu'une minute. Du côté 24, je suis caché par pour une foutue colline qui fait le tour de chez moi, c'est-à-dire Saint-Magne de Castillon, Sainte-Colombe, pour s'en aller du côté de Saint-Émilion. Ça fait une espèce de J à l'envers. Ville d'origine, attends, il n'a pas mis son QTH. Non, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que je t'aurais bien donné l'info là pour que tu puisses mettre ta directive dans sa direction, mais j'ai pas l'info. J'ai pas d'info, et ben oui, il nous entend pas. Il nous entend pas, et c'est bien dommage. Oui, la station qui vient d'arriver, elle est bonne sur 1351. Là, de la part de Fabrice, sur le département 24. De la part de Belphégor, qui est au sud du département 33, limite 40, je sais plus, ou 47, je sais plus.